Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour un épisode de cartes à jouer avec notre petit TK Flip qui est passé niveau 74, donc grâce à la journée d'hier, le live avec les bonus de l'almanach à 100%, bah, ça m'a permis d'XP beaucoup, donc je suis déjà rendu niveau 74 et j'ai déjà 8 victoires à mon actif. J'ai lancé la recherche, je suis tombé avec moi, avec Auris Angel, un crâne niveau 122. Et X-Pro Mask, un Zobal niveau 116, et en face c'est seulement Faker niveau 100, Kras 109 et EK 62. Donc, ça fait que c'est une team normalement on devrait gérer. Parce que le Zobal m'a déjà fait un Tortoruga et tout ça. Malheureusement, j'ai pas su filmer le premier tour parce que j'avais oublié de retirer le mute de mon micro. Donc j'ai parlé un peu dans le vide et je me suis dit merde, je vais relancer la vidéo, il s'est pas passé grand chose. Tour de boost banal quoi, sauf qu'il y a eu deux roulettes. L'équipe en face a fait une roulette 200 intel et moi une roulette moins 40 fuite. Par contre je sais pas ce que je dois faire, si je dois aller bourrin ou pas. Je vais me rapprocher de toute façon. Merde, pourquoi j'ai fait ça là? Donc les cas qui me fait un réflexe mais qui passe pas au-dessus du premier bouclier. Et le deuxième qui ne passe pas. Donc il n'a pas de stuff panoplie coco parce que sinon il aurait des grosses résistances. Moi je l'ai. Bon, heureusement j'ai 30% en air donc il va me faire beaucoup moins mal que ce que je vais lui faire. Donc nous on a le Kra, il est terre et le Zobal il doit être terre haut. Je pensais plus pour une terre mais bon on verra bien parce qu'il semble qu'il a tapé à l'apathie mais je suis pas sûr. Que fait-il? Le Kras se rapproche de moi. Ouais, il a bien compris que s'il me tapait moi. Espérons qu'il va bientôt perdre son bouclier FK. Parce que 38% partout, c'est légèrement abusé. Et le Kras est légèrement boosté aussi. Ouais, non, je vais taper les K parce qu'il n'a pas beaucoup de d'armure. On va se faire une petite roulette. Dommage, pourquoi tu peux. Mais ils ont vraiment peu de vita, je trouve. À part les cas flip avec son contre-coup qui monte à assez haut. Un contre-coup à 400, ouais non. Alors, que se passe-t-il? Bon, on va refaire une roulette. Roulette 2 PM. Nickel, on va pouvoir claquer deux réflexes. Et aller se planquer. Donc alors, l'EK qui va venir aussi me faire des réflexes, mais il me tape pas grand chose. Il se booste. Il se fait un trèfle. C'est pas ce qu'il essaie de faire. Ah, il essaie de se mettre un sur deux avec le bluff. C'est peut-être ça. Il m'a fait un bluff à 170. J'ai déjà eu pire. Alors,
Allez, Kek, il n'y a plus beaucoup de vie. On va bien voir ce que va faire notre Kra. Parce qu'il est assez mal mis. Ouais, il va taper le Feka, je pense. Par contre, il y a notre Zobal qui bug. Ouais, il tape quand même bien avec sa flèche destructrice. Donc là, le Feka qui a déjà plus que 800 de vie. Et maintenant, ça va être au tour du Kra aussi avec 800 de vie et les K 577. Est-ce qu'il est toujours sous contre-coup? Non, le contre-coup est parti. C'est pour ça qu'il a si peu de vita. Moi aussi, le mien va partir. Là, notre Zobal qui est déco, malheureusement, il a pris tous les glyphes. Donc là, je pense quoi, ouais, je peux aller sur les cas. Vais mettre deux bluffs. Un bluff haut et un bluff R. Bluff R qui est passé à 200 quand même. Et mon chaton qui a du mal, qui se bagarre avec l'autre depuis tout à l'heure. Donc il se met une chance d'éca. Là par contre moi, le Kra va me taper, je vais prendre très très cher. Surtout qu'il va avoir sa double punitive bientôt. Ouais, je crois qu'il va me one shot en fait. À moins qu'il sache pas la placer, mais si, je pense bien. Ah, mais c'est à notre Kra d'avoir la flèche punie. Il est pas dans la diagonale, il saura rien faire du tout, malheureusement. Ouais, il plage sa punitive et son expi dans le vent. Histoire de garder les boosts. Et là, le Kra va me mettre très très cher. Ah non, il a un seul boost de la punie, mais je pense que ça suffit à me tuer. Ah ben, le Kra n'a pas joué. Oh punaise. Je vais avoir la zone. La zone réflexe. Allez, ça va être encore autour du Feka, faudrait qu'il se mette là. Ah ben le Zobal est revenu. Ça va donner. C'est autour du Feka, s'il se met là. Ça serait juste épique parce que. Et il a quand même des belles résilles avec le Kra, un mode de rien, même sans le bouclier de Feka, c'est quand même joli. Ça peut être des points de bouclier comme ça. Ben ouais, ça arrive. Non, on va se faire plaisir par contre. Oh oui, la zone. Oh oui, la zone réflexe. Oh oui, c'est ce qui passe. Oh le dessus. 472 que j'ai tapé sur les K. Malgré sa chance des K flip. Donc là, il me tape quand même pas mal. Le chaton va venir me faire chier. Voilà. Les prochains tours, si je suis encore vivant, je vais mettre ma chance EK. À moins que j'essaie de les terminer. Faut niquer FK. Bah ouais, bah, je fais ce que je peux. Hein. Reste 3 PA. Voilà, il lui met l'œil de taupe en zone. Donc il fait pas mal de dommages et qu'il passe au-dessus de la chance EK. Donc ouais, ça va être à moi de les terminer tous les deux.
Ah non, il n'a plus de chance EK en fait. Il a plus que le contre-coup. Et le contre-coup, il reste 5 PV officiellement. Mais tape. Et oui, ça va être le double kill. Ah mais non, merde, le Kra, il a repris de la vie. Tant pis, j'aurais fait un kill. Quand même, c'est bien. La flèche punie qui va passer. Allez, go. Allez, Oris. Boum. Boum, bim. Petit critique. Ah, il veut vraiment le finir, hein, là. Il se booste à mort. Et voilà. Le CC qui passe. 9e victoire avec carte à jouer. Ah, ben, y a 4 sur eux qui va. Ah, on passe niveau 75 en plus. 4 sur eux qui m'offre un bâton carnivore plus 41. Eh ben on va le mettre tout de suite. Voilà. Et voilà. On va monter les stats. Et ben je vais devoir vous dire au revoir malheureusement. Je vais continuer à tourner les vidéos aujourd'hui parce que je pars chez ma copine pendant 3 jours. Donc je vais filmer 3 combats. Enfin 3 victoires entre guillemets. Et je vais vous les mettre un à la suite de l'autre. Et ça sortira tous les jours à midi. Je reviens soit mercredi soir, soit jeudi matin. Donc ben moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous.